Hop les gens, c'est Maclo, comment ça? Moi je vais bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, vous voyez, on est encore sur l'application FUT. On est là pour la deuxième partie des joueurs transférés. Les joueurs transférés cet été sur FUT. Où je dis que le front de partie, là j'ai fait que par joueur. Donc je ferai pas tous les joueurs, hein. Il y a plein de joueurs que j'ai pas fait. Des joueurs argent pas très bons. Ou des joueurs bronze, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. Donc là, dans la dernière vidéo, j'ai été accepté par Unifa. Ça fait plaisir, je risque de passer dans pas mal de temps, parce que d'ici une semaine ou deux, parce que bon, ils ont beaucoup de vidéos, ils font un gros travail, merci à eux. Alors on va commencer. Alors l'ancien de l'Espagnol Barcelone, très bon milieu central, milieu offensif, bon, manque un tout petit peu de vitesse, c'est dommage. C'est Verdú, l'ancien de l'Espagnol Barcelone, donc transféré l'Espagnol Barcelone au Betis Séville. Après, l'excellent joueur d'Aston Villa, ça fait Aston Villa 5 excellents attaquants entre Darren Bent, Delfou, Nesso, notre ami Ag Bonlahor et Ben Deke et l'autre, je me rappelle plus son nom, l'anglais également, très bon. Donc il est transféré de Blackpool à Aston Villa, il revient juste de son prêt 90 de vitesse, vraiment un excellent joueur argent. Après, on a notre ami Andersen, le gardien de Lévian Tonon Gaillard, en compétition avec Bertrand Laquet. Donc il a été transféré au Betis Séville. Voilà, il a changé de club. Très bon gardien pour les équipes argent espagnoles maintenant. Notre ami Juricic, qui vient d'un club dont je ne pouvais pas vous dire, pas du tout. Mais en tout cas, il a l'air vraiment bon quand même. Quand même aussi, il a l'air vraiment pas mal. Seulement, manque un tout petit peu de... pas une énorme stat de passe, ni stat de tir. Bon, en tout cas, il a été transféré au Benfica. Par contre, c'est le Vitota, je sais pas du tout. Il a été d'où il vient. Désolé. Après, on a notre ami Joaquim, un très bon milieu droit de Liga BVA, donc transféré de Malaga à la Fiorentina. Bon, un très bon joueur. Voilà. Manque un poil de vitesse pour les ailes, à mon avis. Notre ami Van Wolfsdelal, donc transféré du Sporting à Norwich. Attends, je vais essayer de vous dire son nom. Van Wolfswinkel, donc assez complet, bon, manque un peu partout, voilà, sinon assez complet, ça a l'air très bon joueur, voudrais le tester dans une toute petite Barclay, juste comme ça vite. Après, notre ami Marcelo Moreno, donc je vais dire notre ami à chaque fois, parce que tout le monde est mes amis, oui, je vis dans le monde des bisounours. Donc Marcelo Moreno, transféré de Grêmio à Flamengo, il a quitté son pote Wellington pour aller rejoindre Carlos Eduardo. Après, Glushakov, inconnu au bataillon, désolé, je ne le connais pas, bon, je l'ai mis quand même parce que c'était un joueur or. Voilà, donc notre ami Glushakov, voilà, il est transféré en tout cas au Spartak Moscou, mais bon, il a dû venir d'un autre club. Au passage, j'avais vu qu'Aubameyang est transféré au Borussia Dortmund, c'est officiel, et Djibril Cissé dans un club de Russian League, donc je pourrais pas vous dire le nom. Après, on a Boyan, qui est transféré du Milan AC au Barcelone, c'est juste qu'il revient de son prêt, un excellent athée et esprit du foot, notre ami Boyan. Après, on a Mignolet, donc ça veut dire clairement que Pepe Reina est envoyé à la retraite ou il l'envoie dans son pays changer de club. Un excellent gardien, Mignolet, vraiment très complet, son 18, voilà, vous voyez, très complet. Vraiment un bon gardien pour les petites Barclays, j'ai déjà testé. Donc il vient de Sunderland et il a été transféré à Liverpool. Après, l'excellent défenseur droit anciennement du Bayern Leverkusen, donc transféré du Bayern Leverkusen au Real de Madrid. Un très bon défenseur droit argent, regardez ses stats, hein, c'est impressionnant. Il vaut, oh oui, vous regardez, voilà, le mec il a été acheté quand même à 110 000 crédits, il vaut extrêmement cher. Après, on a Fabio, je crois, je suis pas sûr, désolé, mais je crois bien que c'est le frère à Raphaël. Ils sont de la même nationalité, ils jouent dans le même club, ils ont la même tête, donc c'est le frère de Raphaël. Il joue au côté opposé, il revient de son prêt de QPR, donc transféré de QPR à mon niveau. Donc Maynor Figueroa, qui a décidé d'aller jouer en deuxième division anglaise, je crois. Ils sont pas remontés cette année Hull City, donc il a été transféré de Wigan à Hull City. De toute façon, les deux allaient en division 2 anglaise, étant donné que Wigan a été descendu. Et oui, Wigan, enfin, je veux dire Wigan, parce que Wigan c'est moche. Wigan jouera la Coupe d'Europe en étant en deuxième division, parce qu'ils ont gagné la Coupe Capital One face à Manchester United d'ailleurs. Après, on a notre ami André, l'ancien joueur aux côtés de Neymar, pardon. Donc il a été transféré à Vasco de Gama, donc il n'a pas changé de championnat, un attaquant bon quand même. Après, on a Mounia, le papy, qui a été transféré de Levante pour venir à la Fiorentina, l'Uruguayen, très bon gardien, voilà, un bon gardien correct.
Après, on a Amerio Bieta, manque un poil de vitesse, mais s'il avait 10 points de plus de vitesse, je pense que ça pourrait être un bon défenseur transféré de l'Atlético Bilbao, où il a passé toute sa carrière à Fulham. Après, on a notre ami Roque Santa Cruz, qui est transféré de Malaga à Manchester City, mais il revient juste de son prêt. Après, on a Calas. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été déçu quand j'ai vu ça. Il a été transféré de la team Vitesse en Eredivisie à Chelsea, mais malheureusement à Vitesse, regardez ses stats, 80 de vitesse, pardon, non c'est pas un jeu de mots, 73 de défense, 74 de tête, donc de grosses stats pour un défenseur droit argent, et il a été mis en défenseur droit donc parce qu'à la base il est défenseur central. Ça m'a dégoûté quand j'ai vu qu'il était défenseur droit, j'aurais tellement aimé qu'il soit en défenseur central, mais bon il aurait valu énormément parce que ça aurait été le défenseur central le plus rapide de Barclay, tout joueur confondu, sans compter le joueur boosté. Donc bon il aurait valu beaucoup de crédit, mais bon ils l'ont mis en défenseur droit, donc transféré de Vitesse, le club d'Eredivisie, à Chelsea. Si vous avez dû entendre des bruits dégueux dans mon micro, désolé parce que je touchais. Voilà, alors après on a De Guzman, le mec des Pays-Bas, enfin je ne rappelle plus son prénom, désolé, il vient de Swansea jusqu'à Villarreal en division 2 espagnole, l'ancien club de Robert Pires, le sous-marin jaune, je crois qu'il l'appelait comme ça. Voilà, très bon joueur De Guzman, très complet également. J'adore. Après on a Denisov, donc l'ancien milieu défensif du Zenit Saint-Pétersbourg, qui est venu rejoindre notre ami la Sanadiara allons-y, mais à Kashkalaï, donc un très bon milieu défensif pour les Russian League, qui sont un championnat très bon et très compétitif, surtout ultra rapide. Voilà, donc j'ai fait 20 autres joueurs de transfert, je pense que c'est le dernier épisode, parce que moins qu'il y en ait d'autres pendant l'été, sinon je pense pas que j'en referai, parce que bon, il n'y a pas de... Les joueurs argent, voilà, il n'y en a pas d'énormes, j'ai regardé tout. Il n'y en a pas d'énormes, mais les joueurs bronze, il n'y en a que des mauvais, sauf un qui a été transféré à Liverpool, Robson, qui est transféré de Blackpool, de Blackburn à Liverpool, voilà. Donc, c'est la fin de ça. Allez, en plus, mon téléphone sonne à ce moment-là. C'était MyFlow. Puis